comment, avec quelle faculté ou quelle puissance de l'âme nous pouvons étudier ou obtenir le certificat des secondaires, c'est-à-dire les fondamentaux, avec la raison saine. Ici, je parle de la raison saine. Il faut que vous sachiez que au sein de la raison habituelle de tout homme, il est planté la graine de la raison saine. Mais ça sera à nous de les germer et développer. La raison habituelle peut très bien comprendre tous les problèmes de la vie matérielle, être savant dans les branches différentes, physique, chimie, mathématiques, être même le prix de Nobel, mais il comprend pas un mot dès que vous passez dans la dimension spirituelle. Il ne comprend pas. La raison habituelle n'est pas faite pour comprendre, elle ne saisit pas. La raison a trois étapes fondamentales. La première étape, c'est la raison habituelle, la raison que nous vivons avec. La raison saine, c'est la raison habituelle plus évoluée, mais capable de saisir la dimension spirituelle. Et la raison divine, c'est la perfection de la raison. Vous êtes une particule de Dieu ou divine, ou vous avez une connaissance immédiate et sans intermédiaire de toutes les vérités. Et vous avez une liberté absolue et selon votre capacité, une puissance totale. Maintenant, comment faire pour développer sa raison? Pour d'abord, germer, je vous ai dit, ce sont dès que vous avez obtenu le certificat primaire, vous avez germé votre raison saine. Mais il s'agit maintenant de développer. Pour le développer, il faut appliquer les principes éthiques et divins justes. Qu'est-ce que ça veut dire juste? Juste, ça veut dire que ce sont des principes qu'à l'origine ont été émis par la source de notre création pour nourrir l'âme et la faire développer. Ce sont les nourritures de l'âme, les seules d'ailleurs. Pourquoi juste? Puisque les principes originels à la longue vieillissent. Et puis l'ingérence humaine les tue. Donc, que faire sinon nous ne posséderons que les principes éthiques et divins au lieu de juste, mortes. Or, ce sont des nourritures, ce sont comme des médicaments. Alors, s'ils ne sont pas justes, ils sont privés de leurs principes actifs. Si vous prenez un médicament sans son principe actif, ça n'a aucun effet. Si vous prenez un principe éthique et divin qui n'est pas juste, ça n'agit absolument pas sur votre âme. Mais alors, où trouver ce principe juste?
ça aussi c'est fait. Il n'y a pas, ces principes sont toujours dispensés par sa guidance. La guidance, sa guidance est toujours présente sur Terre. Et toute personne qui cherche sincèrement la vérité, vérité avec V majuscule, où qu'elle vit, quelle qu'elle soit sa culture, si sincèrement, selon sa croyance, mais cherche la vérité, sera connecté consciemment ou inconsciemment à cette guidance. Et sans le savoir, il sera dirigé vers ses principes, il les pratique. Mais quand vous voulez appliquer, il y a un obstacle de taille qui vous barre à chaque pas, il vous barre la route et vous empêche d'appliquer. C'est votre soi impérieur. Donc, pour pouvoir l'appliquer, il faut écarter cet obstacle qui est votre soi impérieur. Mais alors, dès que vous voulez l'écarter, vous voyez que vous ne pouvez pas. Il est trop fort. On ne peut pas. Que faire ? Chercher l'appui de l'énergie métacausale. Sans l'énergie, l'appui de l'énergie métacausale, c'est impossible. Personne ne peut. Personne, c'est impossible. Où trouver l'énergie métacausale? Mais la source, c'est ayez l'attention tournée vers la source, vous captez l'énergie métacausale. Et quand vous captez l'énergie métacausale, vous voyez que vous pouvez.